L'Exode. Chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes de bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. Il fit aux 4 coins des cornes qui sortaient de l'autel et il les couvrit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les cendriers, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit pour l'autel une grille d'airain, en forme de treillis, qu'il plaça au-dessous du rebord de l'autel, à partir du bas, jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Il fondit 4 anneaux, qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain, pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia, et les couvrit d'airain. Il passa dans les anneaux, aux côtés de l'autel, les barres qui servaient à le porter. Il le fit creux avec des planches. Il fit la cuve d'airain avec sa base d'airain en employant les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il fit le parvis. Du côté du midi, il y avait, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, il y avait 100 coudées de toile, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'occident, il y avait 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'orient, sur les 50 coudées de largeur, il y avait pour une aile 15 coudées de toile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et pour la seconde aile, qui lui correspondait de l'autre côté de la porte du parvis, 15 coudées de toile, avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Toutes les toiles formant l'enceinte du parvis étaient de fin lin retors. Les bases pour les colonnes étaient d'airain, les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient jointes par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin lin retors. Il avait une longueur de 20 coudées, et sa hauteur était de 5 coudées, comme la largeur des toiles du parvis. Ses 4 colonnes et leurs 4 bases étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles étaient d'argent, et leurs chapiteaux étaient couverts d'argent. Tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis étaient d'airain. Voici les comptes du tabernacle d'assignation, révisés, d'après l'ordre de Moïse, par les soins des Lévites, sous la direction d'Ithamar, fils du sacrificateur Aaron. Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oholiab, fils d'Ahisamac, de la tribu de Dan, habile à graver, à inventer et à broder sur les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et sur le fin lin. Le total de l'or employé à l'œuvre pour tous les travaux du sanctuaire, or qui fut le produit des offrandes, montait à 29 talents et 730 sicles selon le sicle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée, dont on fit le dénombrement, montait à 100 talents et 1775 sicles selon le sicle du sanctuaire. C'était un demi-sicle par tête, la moitié d'un sicle selon le sicle du sanctuaire, pour chaque homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les bases du sanctuaire et les bases du voile, 100 bases pour les 100 talents, 1 talent par base. Et avec les 1775 sicles, on fit les crochets et les tringles pour les colonnes, et on couvrit les chapiteaux. L'airain des offrandes montait à 70 talents et 2400 sicles. On en fit les bases de l'entrée de la tente d'assignation. L'autel d'airain avec sa grille et tous les ustensiles de l'autel, les bases du parvis tout autour et les bases de la porte du parvis, et tous les pieux de l'enceinte du tabernacle et du parvis.